Après, on fait base principe ça, quand on fait anti-EQ. So, pour low-end, c'est un balance entre ça. On fait. Premier, c'est un pavlé low-end. En bas de comme 100 Hz, on juste pavlé ça du tout. Parce que fréquence basse, il y a vraiment sensible pour mélanger phase, pour venir hors phase. Et vous pouvez commencer à gagner problème phasing avec kick qui no overhead gauche, avec kick qui no overhead droite, avec grand kick ou gain. Et vous pouvez gagner en bas qui est comme filtering ou juste qui est un kick qui commence comme les pas droite, bien phasing qui coupe le signal de temps en temps. Tout de suite, nous coupons kick. Mais après ça, nous gagnons Tomio. Tomio, il y a environ comme 200, 300, 400 Hertz. Donc, ça, c'est un lot de balance entre overheads. Des fois, on peut juste couper ça net parce qu'on ne peut pas mélanger son yo, mais des fois, il peut ajouter belle fréquence pour Tomio. Il peut ajouter en bas. Donc, pour Kunia, jusqu'à comme bien ton mixé Tomio, on ne peut pas toucher ça. On peut être conscient de ça, on peut le tourner sous ça. Mais donc, toujours on peut avoir le kick là-dedans. Et dépendant sous trachio, est-ce qu'on voulait ton mieux? On pas sûr. Donc, le bas, c'est souvent on voulait overhead yo très brillante. C'est pas yo, juste vraiment yo brillante. Petite brillance. Pour parler connexion kick encore, c'est songer sous kick fréquence 500 Hz, le fait que bah, ça n'est en cours en boîte. Donc on parle minimaliser son ça parce que me tourne des kicks, me tourne des pareil, mais ça. Ok, bon point pour commencer. On va juste copy EQ ça parce que c'est presque le même. Ok, on allait sous Tomio. Presse fini batterie. Ok, juste un exemple, ça me dit pour importance nettoyer bail. Ouais, ici, on peut prendre le temps pour vider l'espace de T-Bleed, place pas gain de détail. Donc, même si on a vraiment mixé, on peut prendre le temps pour couper tout pareil ça. Le mix est tant mieux. Toujours pas trop fort dans le mixage, tant mieux, mais. Pas de problème. Je vais chercher la place qui est plus importante, qui est la fréquence qui est plus importante. Assez clair que c'est environ 200. Tomio qui a fait même pas avec quelques 500 cafés, ça n'est pas boîte. Juste pas sentir tout à fait assez de l'eau. Comme ça, le one pile, il y a fosse.
C'est sûr que ça, c'est pas parfait, mais ça, c'est des tant mieux pas trop toucher yo, m'ajouter un de EQ pour me joindre centre fréquence, centre tonalité, puis m'utiliser un compresseur juste pour me booster corps sans anti-casse plus. Écoute, on fait un petit panning. Moi-même, imaginez si je me tape chez ta devant batterie, il y a un monde qui fait l'inverse, comme si je tape chez le gars des batteries. Mais au cas où il y a comme hi-hat, il tape devant moi à gauche, tom tape un petit casse à gauche et puis tom 2 tape à droite. Juste ajouter plus de vie, fait bah, sentir plus réel. Aussi, m'ajouter overhead avec ça. On ajoute kick. Pas reparler sous batterie pour trop longtemps pour reparler sous l'eau, mais j'ai quelques principes. Pas fait snare pour ce gain. Ah, faut que nous parlions sous espace. Et oui. Ok. Donc, après, on fait mon EQ et mon compression. Faut qu'on fait espace. Donc, premier bail, on fait. Oui, parce que effet moyen, c'est avec l'effet spécial. C'est comme reverb, delay, tout ça. On toujours voyait sur un bass, sur un aux. Ça, c'est un effet aux qui juste bon plus possibilité pour changer le signal. Bon, après. OK. Ma première rime là. Oui, bah, vous voyez le nez en plate. En plate, normalement, c'est comme un petit espace qui cabomme juste première réflexion sur un mur. Donc, ici, on gagne drum booth 1, on gagne un petit salle 827 millisecondes. Donc, c'est un petit salle. C'est presque tant que je chante ça. Elle est juste fait le sonner plus comme si on pas de microphone, on pas de oreille sous-snare. Comme ça, il fait. Comme si comme si on vraiment entendait un monde cap jouer batterie. Si. Ça, c'est complètement exagéré, mais c'est ça, je cherche. J'aime juste chercher, mettre tes instruments dans un vrai espace. Okay. Ça, il va plus en image stéréo, plus il fait bah, santé pistriel. Kounia, après ça, on fait en hall. Pas nécessairement hall, mais en espace qui est plus grand. Ici, on met jazz club, on met plus 700 en pile, mais c'est bah, presque 2 secondes de reverb, de temps de réflexion. Donc, ouais, c'est en grand salle. Et Kounia, ça, c'est plus juste pour comme. Pour brillance. Et si vous utilisez ça bien au pavel, vous faites ça au pavel, sonnez, ah, ça c'est une église ou ça c'est une grande chambre, attendez exactement ce que ça monsieur a fait. On voulait. Pas exagéré pour pas vraiment distinguer. Les juste bail, c'est comme un petit fantôme comme derrière tout bail, comme on fait clap. Juste derrière, c'est comme un bail touché derrière tout. On souvent fait sur hall ça yo avec batterie, c'est on couper toute l'eau yo. J'en te dis avant sur phasing, c'est des effets stéréo. Donc si on voyait des fréquences en bas de 200 Hz, non, il y a un effet stéréo. Ça, il fait les juste voir toute fréquence dans une grande chambre. Et puis, naturellement, il y a un problème phasing.
Donc, si on fait un grand salle comme ça, on toujours coupé en bas de 200 Hz. Pas j'aime vraiment faire reverb sous en bas de 200 Hz. Sauf si on fait musique dance, mais ça sera en loop. Ok, donc on gagne mon plate, on gagne mon hall. Donc, plate, c'est plutôt pour faire sentir noyé en espace stéréo plus live. 11, c'est comme anti-brillance derrière. Pardon, 11, un hall. Et puis, on peut tout ajouter en delay. C'est à eux-mêmes de décider qui genre va faire delay, des quarter notes, des huitièmes. Ça, c'est vraiment créatif parce que vous parlez de rythme. Moi, mes dotted eighth notes, pas qu'on dit ça en français, mais qu'on parle les chitas sous ça. C'est pas des huitièmes, c'est des huitièmes. Excusez-moi, comme pas qu'on dit ça en français. Mais on va ajouter un delay comme ça. Et on peut louer. Donc ça, complètement exagéré, mais ouais, ça le fait. Il est juste comme, c'est presque comme le hall tout. Like, si vous utilisez bien les pas devant, ou pas tendez, ou juste tendez, juste derrière, je sens tout petit bar qui chatouille. Donc, ça, c'est vraiment trois effets espace à utiliser. Juste tendez mix, batterie. Okay. Commencez là. Kunyagin te ba implémenter nous encore. Songez que nous t'a parlé sur TrackStack. TrackStack, sur Summing Folder. Liban, toute possibilité pour traiter instrument master comme si c'est n'importe quoi. Donc, on va prendre avantage de ça, spécialement avec batterie, parce que quand une batterie, c'est plusieurs pièces, mais c'est un instrument. Donc, on traite tout bas différent, mais enfin, on voulait bien bas pour coller. Donc, souvent, si on utilise un petit EQ, une toute petite compression sur toute bagaille, les fake bagailles comme collés ensemble. Pour lui pas juste viennent un paquet de pièces de batterie. Donc, juste oui. Hello. Vraiment juste minimaliste, juste compresser un tout petit casse, mais les fait tout bas et ensemble bien. Il y a besoin, toujours besoin de vérifier le niveau moins. Regardez qui ça vient là. Pas concentré sur ça pour l'instant. Ouais, on va aller un petit casse plus haut que le point 2. Un peu plus que 0, excusez-moi. J'ai entendu ça avant, mais c'est juste très très important, sinon on fait tout mal. Pendant qu'on a fait tout mixage, assurez que niveau pas jamais aller plus haut que zéro. C'est vraiment, si vous avez un problème, ça, it's ok, pull back, baissez bagaille. Si vous allez plus haut que zéro, on va pas ajouter une distorsion digitale qui casse sonner bien en d'un projet, mais là, au bounce, là, exploit tout bas, ou tendez que c'est juste une mauvaise distorsion. Et au pas so, ça c'est tout sauf un dernier bail, et ça c'est en question de sidechain. Ça me voulait, c'est travaille toujours sous relation entre kick et basse, parce que j'ai un petit dit, yo prennent presque même fréquence. Moi-même, tu es sculpté yo, avec EQ pour chaque prendre place à côté de l'autre, mais c'est toujours difficile pour nous distinguer yo. Spécialement attaque kick. Donc, on voulait en façon pour kick juste
le kick joué, il est vraiment vin pio et puis basse après, il prend place. Donc, c'est là que j'utilise le principe sidechain compression. Ça, on pourrait le faire, c'est m'envoyer un kick là sous n'importe basse qui vide. On dit basse 28. M'a mettre niveau à 0 et m'a mettre le pre-fader. Pour tout ça, on fait non mixage et pas effecteur. Quand il y a non logique, automatiquement, il fait un aux pour. Pour Pro Tools, il n'a pas tout à fait ça. Il a besoin de faire tout, chaque état où vous voulez faire pour. Il a besoin de faire. Logique, il est tout fait pour. Qui est bon, qui est mauvais, juste faut qu'on consciente pour ne pas avoir un signal. Parce que si nous tombons là, quand il y a juste double kick, parce qu'on voit kick, nous on aux, aux là, on joue stéréo. On ne peut pas le signal, ça, on ne peut pas le jouer. Lui-même, il est juste en trigger, il prend juste. On va utiliser le signal ça pour effecter un lot. Donc pour ça, m'a fait no output, m'a balayé en no pour ne pas venir désorganiser. Donc kick chain. On n'a pas touché track ça encore. On va descendre sous basse moins. On va ajouter un lot compresseur. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter gain? Pas vraiment effecté jusqu'à présent. Fait side chain, bass, kick. Ok, au cas où avec chaque fois kick, allez, les fait basse baisser. Pas qu'on niveau que nous y est tous, ou chaque domaine qu'on a en dedans, donc je vais juste vite expliquer le principe, c'est que basse a joué fort et le kick joué n'a pas gagné ses espaces. Donc, ça, on voulait faire c'est baisser basse pour kick gagne place, mais seulement pendant kick joué. Donc, on peut automer ça, mais il peut prendre un pile de temps et même pas faire le bien. Donc, on a pu utiliser compresseur ça. Ça, il gagne c'est kick la voyer sous basse 28. Li rentrer dans compresseur ça sous track basse et li gain sidechain activé. Donc, quand il y a chaque fois que kick monte à haut de moins 22 dB, li pral baisser par un ratio 1 à 1. Tout petit. Mais, important sur ça, c'est attaque. Si on voulait, dès que li rentre, li coupe. Donc, so, mettez attaque à 0 et mettez vraiment coup de release. C'est vraiment juste kick que vous voulez couper. Kick la vin, kick, et puis de sortir. Okay. C'est subtil, mais important. Elle est en vraiment en outil vraiment fort. Ouais. Juste, il fait kick la rentrée, les balles plus vides, on a senti changement musical, on a senti basse ça comme rentrée, sortie, chaque fois kick rentrée, il est juste balles plus vides sur mix. Donc, ça, c'est principe enregistrement, mixage batterie avec basse. On pas couvrir tout balles, il y a plusieurs tracks qui étaient, mais ça, c'est principe. On va ouvrir le prochain projet, c'est. Ok, ici, le cas où ça me dégaine ton fait. Non, ferme pas utiliser le kick 2. Ah ouais, sous basse, on vient de rajouter l'autre track, mais qui l'autre track y est, c'est comme, ok, ça c'est juste un compresseur, c'est, pourquoi je veux même pas non logique. Mais après ça, I'm just, c'est juste une question de balance entre EQ et compression, c'est rare comme utiliser l'opère, c'est vraiment EQ et compression, ou quand tellement fait bail avec pareil ça, c'est comme, on va sculpter, on va pousser, on va faire tout mixage avec seulement ça. Um,
Ouais, souké, comme vraiment, ouais, on fait même bah, quoi. Montrer 500, ouais, une trop présence, on va aller en l'eau. Cognac, mais aller sous l'autre son, aller sous percussion. Et je vais te dire, moi, mettons de toutes bas ensemble, donc jusqu'à donc après un moment ça, ma kembe batterie avec basse, presque toujours. Et donc, si on a vite besoin d'entendre un bas spécifique sur un track, comme solo lit, mais là, me chercher place pour chaque, me chercher place en dans le mix. Donc, on va commencer avec premier tambour. Oui. Vu de fils Noël, moi, oui. ok, donc, avec Tambouyo, il vraiment marché presque ton coup, Tom. Donc, toujours comme entre 200 400 Hz, on peut jouer un signal, on peut jouer une grande tonalité sur moi. Une tonalité, mais on manquait présence. Donc, meilleur. Comme c'est là, c'est m'ajouter en compression, plus booster signal loyo, pas fréquence, hein, volume. Place au commencer. N'a pas le temps de ça avec. On peut continuer à jouer avec EQ, on peut continuer à jouer avec compression. Et puis tout, on a effet spatial. C'est le même principe qu'on a fait avec batterie. Oui, ici, on va utiliser même bossio. Même processus comme tu as fait avec batterie, fait yum pa yum, me chercher bon tonalité, me chercher mauvais son en fréquence, me sculpter avec EQ, pousser le signal avec une compression, m'ajouter effet espace. Pas qu'il met trop longtemps sur ça parce que quelqu'un a qui puisse important pour parler. Ça, c'est juste une question de goût. On ne peut pas parler sur Aïssé qui j'ai mixé tambour. Parce qu'on nous connaît déjà. Donc, après percussion, guitare, yo, guitare, yo. Juste pour me garder qui ça me t'a fait en panning, EQ, compression, mais ouais. Pas en plus bas, même pas utiliser compression sur quelques tambours. Attends, des mix. Comment c'est venu?
Onya. On va pas ajouter Guitario. Ça, c'est tout ordre. Ça, c'est ordre pas moi. J'aime te dire, moi, j'ai commencé avec Force Chanson, c'est kick bass. Après ça, m'a ajouté reste batterie, reste percussion. Pour moi-même, basse avec toute percussion, batterie, c'est Force Chanson. On commençait avec ça. Après ça, on a besoin large tonalité, les quatre pianos, les quatre guitares, les quatre empiles différents. Bah, non, chanson ça, les vraiment guitare. Donc, ici, on a deux guitares, on a une guitare acoustique avec une guitare électrique et puis une guitare solo. Électrique avec solo, c'est même pas, mais comme Yun, c'est un instrument accompagnant et puis solo, Livin, le instrument de la chanson. Traitez-le comme si c'est deux différents instruments. On commence avec guitare acoustique. Donc là, c'est en partie. Ouais, pour que ça, c'est important pour mixer tout bas ensemble. Si on était juste mixer guitare, on t'a dit, oh, regarde, bello. On voulait l'eau, ça. Quelle information ici sur guitare qui est belle. Donc, si on tape son instrument, ça solo, on t'a dit, ah, mon gars, j'étais basse là. Mais. Si on tente en contexte avec l'instrument, on a dit, est-ce que ça a déjà pris? Pas qu'à exagérer comme ça. On va mettre en dessous un petit bail. Et nos mix, ça qui manquait, c'est mid. 508 Hz, 500 à 800 Hz. Ça me fait me contrôler l'audio, booster tonalité, un bail, un petit présence. C'est comme même état, même processus, on me fait pour chaque instrument. Contrôler basse, chercher tonalité, ajouter ou retirer brillance et présence. Ah, mais t'as fini. On m'a pas ajouté effet espace. Ça, moi, pour chaque effet espace, on peut utiliser un différent track pour chaque groupe d'instruments. Par exemple, pas utiliser le même track aux pour reverb pour batterie, même track ça pour reverb pour guitare. Il est juste chargé par trop et on perd du contrôle chaque groupe d'instruments. Donc, même si on utilise le même plugin, même preset, utiliser les sons en différents cas. Donc, au cas où est sous 14, c'est même plaisir que vous avez utilisé.